Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons réaliser une sauce à la moutarde qui va avec beaucoup de viande. Moi j'adore ça, c'est facile et très bon. Il y a beaucoup de façons de les faire. Là, je vais vous montrer comment moi je la fais. Allons-y. Pour réaliser cette sauce, je vais avoir besoin de poivre, du moulin de préférence, d'un petit peu de farine, de la crème fraîche, un petit peu de beurre, de la moutarde bien sûr. Moi j'utilise de la moutarde à l'ancienne, mais vous pouvez utiliser de la moutarde tout à fait normale. Du bouillon et un verre de soit du vin blanc, soit de la bière. Moi j'utilise la bière, j'aime bien cuisiner à la bière, mais ça c'est comme vous voulez. Tandis que le bouillon de légumes que j'utilise ici, regardez ma vidéo là-haut, vous allez voir comment je le fais. Pour commencer, je vais mettre le beurre et le faire fondre. J'attends que ça chauffe. Pour le fondu, comme pour une béchamel, je vais y mettre la farine. Ensuite, je vais, une fois que tout a bien pris, je vais y mettre ma crème. Hop là, faites pas comme moi. J'attends que ça cuise. En attendant, je peux déjà y mettre quelques tours de poivre du moulin. Ça commence à cuire, ma sauce épaissit. Je vais donc y ajouter deux bonnes grosses cuillères de moutarde, j'aime bien que ça ait du goût. Ensuite, j'y mets mon bouillon. Je mélange bien. Une fois que c'est bien mélangé, je vais y mettre ma bière. Voilà, ma sauce est assez liquide. Je vais la laisser mijoter comme ça pour la faire réduire. Quelques minutes. Ça mijoter quelques minutes. On peut contrôler ça. En faisant comme ça, on passe le doigt. Si ça reste, c'est bon. Et le goût est vraiment parfait. Ensuite, si vous la trouvez trop liquide, vous la laissez encore un petit peu sur le feu pour un feu doux, hein, pour faire réduire un peu. Si vous la trouvez pas assez liquide, vous pouvez rajouter une petite goutte d'eau. En ce qui me concerne, elle va très bien. Je vais donc la mettre dans une soupière. Prêt à être servi. J'arrête le feu, bien sûr. Et voilà ma sauce moutarde prête à être servie. Et voilà le résultat final. Je vous assure que c'est très bon. Moi, c'est ma façon de le faire, hein. Il y a beaucoup de recettes. Faites-la, vous ne serez pas du tout déçu. Moi, en attendant, je vais utiliser ça sur un morceau de viande. Et je vous dis un bon appétit et à bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir. J'espère que vous avez aimé
ma vidéo. À bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.